ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا إخوتي الكرام، ما زلنا في دراسة كتاب دعائم منهاج النبوة، ووصلنا إلى باب جديد من أبواب هذا الكتاب، ألا وهو الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة. يسرد المؤلف بعض الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة ولزوم مذهب السلف الصالحين، وقد ذكر 12 دليلا من خلال الكتاب والسنة. نعم. Donc mes frères, Inch'Allah, nous étudions une nouvelle porte ou un nouveau chapitre de ce livre. C'est un chapitre qui s'intitule « Les preuves du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'obligation de suivre la voie prophétique ». Donc nous verrons, Inch'Allah, au travers de ce cours, quelles sont les preuves tirées du Coran et de la sunna sur l'obligation religieuse de suivre la voie prophétique. D'accord ? Nous avions déjà défini ce qu'était la voie prophétique, d'accord ? En quoi elle consistait. Dalil al-Awwal, la première preuve que le Cheikh a citée, ou qu'il a mis en exergue dans ce chapitre, c'est un verset coranique où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Wattabi' sabila man anaba ilayhi ». Donc c'est un verset de la sourate Luqman, sourate numéro 31, verset numéro 15. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Et suis le chemin de ceux qui se tournent vers moi. Et suis le chemin de ceux qui se tournent vers moi. Alors la question qui se pose toute seule, quels sont ceux qui se tournent vers Allah, subhanahu wa ta'ala, afin qu'on puisse suivre leur chemin? Car Allah nous ordonne de suivre cette catégorie de personnes. Et suis le chemin de ceux qui retourne vers moi ou qui se tourne vers moi. Donc, il nous a demandé de connaître qui sont ces gens-là, quelle est cette catégorie de personnes. Pour y répondre, le Cheikh, l'auteur du livre, a ramené une explication de Ibn Qayyim al-Jawziya, hein, qui, je vous le rappelle, est un savant du 8e siècle de l'Égypte, et c'est un des grands élèves, si ce n'est le plus grand élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Non. Ibn Qayyim al-Jawziya disait, fi i'lam al-muwaqqi'in, après avoir cité ce verset coranique, il dit, chacun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est repentant vers Allah. C'est-à-dire, ils se caractérisent par le fait qu'ils sont tous revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire de suivre leur voie. Et pour expliquer ceci, Ibn Qayyim dit, et la preuve sur ceci est qu'Allah les a guidés. Allah les a guidés. Et leur guidance est une preuve de leur repentance. Allah dit dans un autre verset, « وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب » وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب » ce qui veut dire « Et Allah guide vers lui celui qui se repent. » Autrement dit, il y a une corrélation étroite entre la repentance et la guidée. Toute personne qu'Allah a guidée, c'est une personne qui s'est repentie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous demande aussi de suivre les gens qui se repentent vers Allah. Autrement dit, il nous demande de suivre les gens qui sont bien guidés.
Et ces deux caractéristiques-là, les compagnons du prophète les avaient. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Il est donc obligatoire, de par le verset ou au regard du verset qui est dans Surat Luqman, et suit le chemin de ceux qui se repentent vers moi, entre autres et en premier lieu, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les suivre dans quoi? Bien sûr, dans leurs paroles, dans leurs croyances, car ces deux choses-là, les croyances, la croyance, les paroles et les actes, ça fait partie des plus grandes caractéristiques par laquelle se définit leur voie ou leur chemin, chemin de ses compagnons. Donc ça, c'est une première preuve qui nous montre l'obligation de suivre la voie des compagnons. La deuxième preuve qu'a cité le Shir, c'est un verset coranique qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer brièvement. C'est le verset suivant. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui veut dire, et celui qui fait scission d'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que l'épreuve lui fut venue, et qui suit une autre voie que celle des croyants. Et c'est ici où Ajol Istidlal, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dans le verset, c'est surtout ici. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné de nous et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. D'accord? Et pour expliquer ceci et pour que ceci soit plus parlant pour vous, je vous ai traduit ce qu'a dit l'imam Abdurrahman ibn Sa'adi, Mufassir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, en expliquant ce verset. Il dit, rahimahullah, celui qui s'écarte, d'accord, celui qui fait scission, celui qui s'écarte, ou qui s'oppose, ou qui contredit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'oppose à lui dans ce avec quoi il est venu, après que l'épreuve lui fut venue, par l'épreuve coranique et prophétique, et suit un autre chemin que celui des croyants, leur chemin, c'est leur voie dans la croyance et les actes. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné, c'est-à-dire que nous le délaisserons et ce qu'il a choisi pour lui-même et nous l'abandonnerons sans lui accorder la réussite de par le fait qu'il a vu la vérité, qu'il l'a perçue, mais il l'a délaissé volontairement. Donc son châtiment auprès d'Allah en toute justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il le laisse dans son égarement errant, s'égarant de plus en plus loin. Et nous le brûlerons en enfer, comme dit Allah, c'est-à-dire que nous le châtirons dedans, dans le feu de l'enfer, d'un grand châtiment. Et quelle mauvaise destination, et quelle mauvaise destination finale et point de retour. Donc c'est clair, mes frères. Il nous est demandé d'être en accord avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après que l'épreuve nous fut venue. L'épreuve, c'est quoi? C'est le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi de suivre la voie des croyants. Et on avait dit que la voie des croyants, elle s'applique en premier lieu et avant tout aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc celui qui se détourne volontairement de la voie des compagnons, il aura comme châtiment dans cette vie-là qu'Allah le laissera à l'abandon. Il le laissera dans son égarement et dans son errance. Et ceci, ça relève de la justice d'Allah. Ceci, ça relève de la justice d'Allah. Pourquoi? Car Allah lui a montré des preuves, comme il le dit dans le verset coranique. Après que l'épreuve lui fut venue. Allah lui a montré toutes les preuves qui vont lui permettre d'être sur la voie du prophète et celle des compagnons. Mais volontairement, il s'en est détourné. Donc Allah le laisse dans son errance et il s'égare de plus en plus loin. Et son châtiment dans l'au-delà, s'il meurt dans cet état-là, c'est qu'il ira en enfer. Qu'Allah nous en préserve. L'imam al-Barbahari, connu pour son attachement à la sunna, a dit... Dans Sharh al-Sunna, qui est un livre qui en fait est un recueil de tous les fondements des gens de la Sunna. Il dit, la base sur laquelle est fondé le groupe, Al-Jama'a, le groupe de croyants, sont les compagnons. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la Sunna et du groupe. Celui qui ne prend pas d'eux s'est égaré et a innové. Et chaque innovation est un égarement et l'égarement et ses partisans sont destinés à l'enfer. L'imam al-Ajouri, écoutez bien ici, l'imam al-Ajouri, fi kitabihi al-Sharia, dans son livre, dans son fameux ouvrage al-Sharia, qui est aussi un livre dans les fondements du menhaj, ou fondements de la religion, a dit,
j'ai évoqué, virgule, en ce qui concerne l'attachement à la voie droite et à la droiture à observer sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou de ce que l'envoyé a chargé sa communauté, j'ai évoqué ce qui oblige le doué de raison, dès lors qu'il médite, à connaître qu'il doit obligatoirement s'attacher au livre d'Allah, le Très-Haut, et à la sunna de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna des califes bien guidés, de l'ensemble des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien, parmi les grands imams et autres. De même, ceci doit l'amener, cette personne doit de raison, qui a vu toutes ces preuves-là, doit l'amener à délaisser la polémique, la querelle dans les questions religieuses, ce qu'on appelle al-jidal wal-mira'a wal-khusuma. D'accord ? Aussi, qu'il doit s'écarter des gens de l'innovation, qu'il doit suivre et non innover, suivre la sunna, suivre les salafs et ne pas innover dans la religion. Puis il dit, la science de ceux qui nous ont précédés parmi les grands imams, ceux-là même dont on ne se lasse pas de les évoquer, nous suffit sur la voie et école de pensée des gens de l'innovation et d'égarement. Leur science nous suffit sur la voie des gens de l'égarement et leur mode de pensée ou leur école de pensée. Allah est celui qui donne la réussite dans la voie droite et celui qui nous aide à la suivre. Donc c'est une parole qui est très importante de l'imam al-Jawri. Donc, ceci constitue une deuxième preuve. Ce verset coranique constitue une deuxième preuve qui est claire en elle-même. Une troisième preuve que le cheikh a citée, c'est où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ce qui signifie les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires. Donc les émigrés c'est les muhajirun. Et les auxiliaires, c'est Al-Ansar. C'est ceux qui ont secouru, qui ont porté secours à la religion d'Allah et qui ont accueilli les émigrés à Médine. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement ou dans le bien ou dans la voie droite, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voici l'énorme succès. Alors, cher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah nous informe de l'agrément qu'il a porté sur ceux qui suivent les compagnons dans un bon comportement et leur a préparé une énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé non seulement sahaba, ça on le savait déjà, mais Allah il agrée tous ceux qui suivent la voie des sahaba. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ et ceux qui les suivent dans le convenable, dans ce qui est convenable. D'accord ? Cela, Allah leur a préparé une énorme récompense. Je vais m'arrêter ici un petit peu parce que faut bien comprendre qui sont les muhajirun wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan. Allah les évoque, ces trois catégories de personnes, fi surat al-hashr, dans la surat numéro 59, l'Exode. Allah dit au sujet des muhajirin, والفقراء من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah dit concernant cette première catégorie de personnes qui sont les muhajirun, il dit, et parmi les pauvres muhajirin qui sont aptes à recevoir ce qu'on appelle le butin de guerre, al-fa'il. Mais Allah ici, ce qui nous intéresse, c'est pas qui vont recevoir le butin de guerre. Ou le butin plutôt, qui résulte d'une non-guerre. Bon, sans rentrer dans les détails. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit. Comment Allah a qualifié et comment Allah il a décrit le muhajirin. Il a dit, ce sont ceux-là même qu'ils ont été chassés de leur demeure et de leur bien. Alors qu'ils recherchaient la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son agrément. Et comment Allah les décrit. Oulaika humus sadiqoun. Ceux-là, ce sont les véridiques.
Allah les a déclarés ou les a qualifiés de gens véridiques. Ils ont cet honneur, ils ont ce faste que les autres catégories ou les deux autres catégories qu'on va voir n'ont pas. C'est que c'était les premiers croyants, les premiers à croire, les premiers qui ont appliqué l'islam et qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les premiers qui ont fait le djihad fi sabilillah. Et ce sont les premiers qui ont fait l'immigration dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les premiers qui ont subi toutes sortes de châtiments dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour tout ceci, ils ont les plus grands degrés au paradis. Al-Muhajiroun, parmi eux, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les 10 Al-Mubasharoun, Abil Jannah, Bilal, Abdullah ibn Mas'ud, tout Ha'oula Al-Muhajiroun. Tout cela, il rentre dans le verset coranique que je vous ai cité. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Les premiers immigrés, d'accord ? Cela, Allah leur a préparé quoi ? Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et il les a qualifiés comme étant des gens véridiques. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est l'ansar. Wal-ladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim. Et ceux qui ont pris comme demeure Médine, et ils ont pris aussi comme demeure la foi, l'iman, avant eux. Et on sait en fait que l'ansar, dès les premiers temps aussi, le prophète, alayhi salam, a fait ce qu'on appelle Bayatul Aqaba, le pacte de l'Aqaba, le premier et le deuxième. Et la plupart d'entre eux, c'était d'ansar. Donc, ils ont soutenu le prophète aussi dès les premiers temps. Dès lors qu'ils ont appris la vérité, dès lors que le prophète leur a transmis le message, ils ont accepté, ils ont décidé de secourir le prophète, corps et bien. Alors, Allah, qu'est-ce qu'il dit sur ces gens-là? Ils appartiennent aussi, le butin de guerre, il appartient aussi à ceux qui se sont installés dans le pays, dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu. Effectivement, l'Ansar, ce sont eux qui ont accueilli à Médine Al-Muhajirin. Et ils ont cette particularité, c'est qu'ils n'ont trouvé aucune rancœur et aucune jalousie sur les bienfaits qu'Allah a donnés aux Muhajirin et sur les fastes qu'Allah a donnés aux Muhajirin. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Et ils les préfèrent même à eux-mêmes. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Même s'ils trouvaient de la gêne dans leur quotidien, eh bien, ils donneraient tout pour ces gens-là. Car les Ansar, comme l'a dit l'imam Abdurrahman ibn Sa'di, les Ansar, كانوا يحبون المهاجرين لحبهم لله ورسوله. Ils ont aimé les immigrés de par leur amour pour Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ceci qu'ils les préféraient même à eux-mêmes et ils ne trouvaient aucune jalousie sur les fastes et les biens qu'Allah leur avait donnés. Et ceux qui se prémunissent de leur propre avarice, ceux-là, ce sont les gens qui réussissent. Voilà la deuxième catégorie de personnes. La première, le muhajirin, la deuxième, le ansar. Puis vient la troisième catégorie, c'est tous les croyants, tout le reste des croyants. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Puis Allah cite la troisième catégorie de personnes qui sont le reste des croyants, en disant, puis ceux qui sont venus après eux et disent, ô Seigneur, pardonne-nous ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets aucune rancœur dans nos cœurs pour les croyants, car tu es certes pardonneur et miséricordieux. La preuve ici réside dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré que les compagnons doivent être suivis. D'accord ? Les compagnons doivent être suivis, mais bien plus que ça, aussi faire des do'as pour eux, d'accord ? Invoquer pour eux, et ne pas faire comme certains, les dénigrer, les rabaisser, ou même les excommunier de la religion. Donc, ici, le verset coranique, où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers immigrés, les prédécesseurs parmi les immigrés, ainsi que les Ansar et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée et il leur a préparé
des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et ceci est l'énorme succès. Donc ce verset coranique-là est une preuve claire et évidente sur l'obligation de suivre la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le shir a cité une quatrième preuve, toujours dans la même optique, c'est la parole d'Allah, où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Ittabi'u man la yas'alukum ajran, wa hum muhtadun » et suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Vous savez tous que ce verset coranique a été en fait révélé dans un contexte, dans un récit bien précis, ce qu'on appelle Sahab Yassin, celui qui est venu exhorter ceux qui traitaient de menteurs les prophètes. D'accord ? Et il a dit cette phrase-là, et suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Ibn al-Qayyim dit par rapport à ceci, ceci a été relaté par Allah le Très-Haut sur l'homme de Yassin, à titre approbatif et élogieux. C'est-à-dire, Allah a approuvé ce propos, il a vanté celui qui l'a dit pour cette parole. Aucun des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a demandé un salaire et ils étaient sur la bonne voie. Sur la base de ceci, Allah nous demande, ou c'est une obligation de suivre ceux qui se caractérisent par ces deux qualificatifs. Ils ne nous demandent aucun salaire et ils sont sur la bonne voie. Et les compagnons, justement, avaient ces deux caractéristiques. Et Abu Bakr, il achetait des esclaves et il les affranchissait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il recherchait par ceci l'agrément d'Allah, ni plus ni moins. Alors, Abu Bakr, comme tous les autres compagnons, tous leurs efforts qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont avancé pour l'islam et pour le bien des musulmans, ils ne l'ont pas fait pour recevoir un salaire en échange, ce qui est bien connu, mais ils l'ont fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on sait aussi qu'ils étaient bien guidés. Alors, sur la base de ceci, Allah nous dit « وَاتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُرْتَدُونَ » Et suivez, c'est un ordre religieux, ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Donc suivre, entre autres aussi, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de leur guidance, c'est quoi ? C'est la parole d'Allah le Très-Haut, lorsqu'il dit « وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » Et Allah dit « Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah nous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. » La traduction ici, « afin que vous soyez bien guidés » en français, elle ne donne pas le sens qui est voulu en arabe. Car Ibn Abbas disait « La'alla lillahi wajib » Lorsqu'on emploie cette harf « La'alla » afin que, lorsqu'elle concerne Allah, il n'y a pas d'éventualité sur le déroulement de l'acte ou non. Mais forcément, ça va arriver. D'accord ? Donc ici, quand Allah dit « La'allakum tahtadun » afin que vous soyez bien guidés, c'est comme si on le traduisait par « Vous serez bien guidés ». Sans aucune autre éventualité. « Vous serez bien guidés ». Donc Allah nous dit quoi ? Nous dit que il s'adresse au compagnon du prophète, il dit « Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha » Vous étiez sur le bord de l'abîme du feu. « Fa anqadhakum minha » Et Allah vous en a sauvé. « Bimada » بإرسال رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإنزاله كتابه العظيم et par l'envoi de son prophète et par la descente de son livre. C'est comme ça qu'Allah a sauvé les sahaba du feu de l'enfer. لعلكم تهتدون et par ceci Allah vous a guidé. ولعل لله واجب. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre le verset. Donc ceci est une preuve claire et évidente que les sahaba ils étaient bien guidé, kanu ala al-huda. Donc ce verset coranique, le verset de Sourate Yassin, constitue aussi une preuve claire et évidente sur le fait de suivre, ou l'obligation de suivre la voie des compagnons du prophète. Une autre preuve aussi, c'est où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Oh, vous qui avez cru,
discours qui s'adresse aux croyants, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques, ou soyez avec les véridiques. Les compagnons sont les premières personnes qui ont cet attribut ou ce qualificatif de gens véridiques. Ce sont les premiers. Et en fait, chaque personne qui veut être véridique, qui veut atteindre ce degré de véracité, il ne peut le faire que par le biais des compagnons, qui sont les prédécesseurs dans ceci. On ne peut pas se prétendre être plus véridique que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le shir met un point très important sur une chose. Il dit que, et d'ailleurs c'est Ibn al-Qayyim qui le dit, il dit que ici, al-ma'iyya, le fait d'être parmi ou avec les véridiques, Allah nous demande d'être avec eux, autrement dit avec les compagnons, mais de manière globale, dans toute chose. Jumlatan wa tafsila, d'accord, dans toute chose. Ce n'est pas dans des choses que nous on souhaite, en fermant les yeux et en faisant abstraction d'autres choses. D'accord ? Comme on fait certaines personnes. Mais il faut être avec eux dans toutes choses. Il faut être avec eux, puisqu'ils sont véridiques, il faut être avec eux dans leurs croyances. Il faut être avec eux dans leurs actes, dans leurs propos, dans leur comportement, dans leur moralité, dans toutes choses. Dans la voie qu'ils ont suivie. C'est ce qu'on appelle « al-ma'iyatul mutlaqa ». Le fait d'être parmi eux dans l'absolu, dans toutes choses, dans toutes les facettes. De ce que cela peut représenter. Une personne qui souhaite être avec les sahaba dans une facette seulement ou dans une chose seulement, en faisant abstraction volontairement de toutes les autres, alors celui-là, il ne rentre pas dans le verset coranique et il contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah nous ordonne d'être avec eux de façon globale et complète. Pour vous donner un exemple, certaines personnes, certains musulmans, sont avec les compagnons dans leur moralité, dans leur comportement, mais ils ne sont pas avec eux dans leur croyance. D'autres sont avec eux dans leur croyance, mais ils ne sont pas avec eux dans leur moralité, dans leur suivi ou dans leur manhaj, etc., etc. Les exemples sont nombreux, mes frères. Allah nous demande d'être avec eux dans toutes choses. Taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Al-ma'iyat al-mutlaqa. D'une façon globale, dans toutes choses. Ne pas faire de filtrage. Puis, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, une autre preuve. C'est un hadith que vous connaissez tous et que vous avez déjà sûrement dû entendre dans de nombreux endroits. C'est un hadith qui a été rapporté par Irbad ibn Sariya, sahabi, qui a dit « Wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma'idhatan wajilat minha al-quloub wa dharafat minha al-uyoun » Le prophète nous a tenu un sermon qui nous a fait vibrer les cœurs et pleurer. Alors Irbad ibn Sariya dit au prophète « Ya Rasulullah ka'annaha » C'est comme s'il a dit, Ya Rasulallah, c'est une exhortation ou un sermon d'adieu que tu nous as fait. Ce compagnon a dit, donne-nous un dernier conseil. Un conseil, comment dire, une valeur testamentaire. Comme si c'était la dernière et la plus importante. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous enjoins la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'observance de ces recommandations religieuses et le délaissement de ses interdits. Aussi, kum bi taqwallah azza wa jal wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdul habashi wa fi riwaya wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Et l'obéissance et l'écoute au gouverneur, au détenteur de l'ordre, même si c'était un esclave éthiopien. Fa innahu man ya'ish minkum, et celui qui vivra parmi vous. Fa sayara ikhtilafan kathira, il verra beaucoup de divisions, de dissensions, de discordes. Beaucoup, de nombreuses discordes dans la religion et dans la communauté de l'islam. Alors le prophète, comme c'est à son habitude, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous donne pas une maladie sans nous donner son remède. Ça fait partie des bons enseignements que nous prodiguait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, pour pallier à ce problème-là, à ces dissensions qu'on va être amené à vivre et à subir. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Fa'alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidina min ba'di. »
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. Le prophète a dit: accrochez-vous à ma sunna ainsi que la sunna des califes bien guidés et mordez-y à pleines dents. Et nawajid, c'est les dents qui sont derrière. Accrochez-vous à ma sunna ainsi que la sunna des califes bien guidés et mordez-y à pleines dents. Et faites attention à toute chose inventée dans la religion, bien sûr. Car toute chose inventée est une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et dans une autre version, tout égarement conduit au feu de l'enfer. Hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Abu Daoud, et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sunan Abi Daoud. Hadith authentique. Donc, vous voyez que le prophète, alayhi salam, à titre de parole testamentaire ou parole qui a une valeur immense, il a mis l'accent sur ceci, sur deux choses. Sur le fait de s'accrocher à la sunna, la sunna des califs bien guidés, et aussi de s'écarter de ce qui s'y oppose. C'est toutes les choses inventées et toutes les innovations religieuses, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, même si les gens ils la voient bien. Toute innovation religieuse est un égarement. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Et pourquoi le shir, le mu'allif, a ramené ce hadith ici? C'est que le prophète, assalatu wassalam, a lié étroitement sa sunna à celle des califes bien guidés. Il n'a pas évoqué seulement l'attachement à sa sunna, mais aussi la sunna des califes bien guidés. Ceci pour nous montrer que la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en conformité avec la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de différence entre les deux, comme aiment à le dire certains. Certains disent que les prophètes ont trahi le message, les compagnons ont trahi le message du prophète. Ou certains des compagnons ont trahi le message du prophète. Ou ils ont trahi une partie du message du prophète. Nous leur répondons par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est plus véridique qu'en propos, après Allah, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith-là, mes frères, le prophète, alayhi wa sallam, a joint sa sunna à celle des califes bien guidés et a ordonné de suivre leur sunna comme le fait de suivre la sienne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas contenté de l'ordre religieux de suivre, mais il a mis l'accent sur l'obligation de suivre cette sunna jusqu'à y mordre en pleine dent. Ce hadith nous montre aussi le fait que l'attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des califes est une garantie contre les dissensions, les discordes, les innovations religieuses et par voie de conséquence, une garantie contre l'égarement. Donc ce hadith, il constitue aussi une preuve sur le fait de suivre la voie du prophète et suivre la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre preuve que le cheikh a citée, c'est un hadith que vous avez sûrement déjà dû entendre aussi. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui a été rapporté par plusieurs compagnons. Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Aisha. Certains disent même que ce hadith est mutawatir. C'est-à-dire qu'il a été rapporté par une multitude de rapporteurs dans chaque génération. Le hadith rapporté par le Bukhari ou un muslim et autres. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » La meilleure des générations, c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc le prophète a cité trois générations. Et ici, ce qui est important à mettre en évidence, c'est le fait que la meilleure génération dans l'absolu, c'est la sienne. Et quand on dit la sienne, eh ben, qui a vécu à l'époque du prophète? C'est les compagnons. Le prophète a vanté sa génération, ce qui veut dire qu'il a vanté la génération des compagnons du prophète, de ses compagnons. D'accord? Ce qui signifie et ce qui implique leur primauté et leur ancienneté sur nous dans toutes les portes du bien. Car si ce n'était pas ainsi, la parole du prophète n'aurait aucun sens. D'accord? Si la voix des compagnons n'était pas la plus parfaite, alors ça voudrait dire que le prophète se serait contredit ou le prophète aurait menti. D'accord? Ce qui bien sûr est impossible. Ce hadith nous prouve clairement que la voix des compagnons, c'est la meilleure. Et elle est meilleure que celle des tabi'in, et elle est meilleure que celle des atba' al-tabi'in. Et à plus forte raison, elle est meilleure que les générations qui ont suivi par la suite. Ceci est une preuve aussi claire
est évidente. Une autre preuve aussi tirée de la sunna du prophète, c'est le hadith rapporté aussi par une multitude de compagnons où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Iftarakat al-Yahoudu ala 71 firqa wa fi riwaya millah wa iftarakat al-Nasara ala 72 millah aw firqa wa sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. » فقال الصحابة من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية الجماعة. Donc tous les sens, toutes les narrations qui ont été rapportées ce hadith, elles sont proches dans le sens, d'accord. Je vais en citer qu'une seule ici. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, les juifs se sont divisés en 71 sectes. 71. Dans ces 71-là, ceci n'est pas évoqué dans le hadith, mais c'est les savants qui l'expliquent, il n'y en a qu'une qui était sur la vérité, 70 qui étaient destinées à l'enfer. Celle qui était sur la vérité, c'est celle qui était sur la voie des prophètes, d'accord, qui était à leur époque. Puis les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. 71 en l'enfer, une dans la vérité, celles qui ont suivi Issa ibn Maryam. Et ma communauté se divisera aussi en ou se divisera en 73 sectes. Elles iront toutes dans le feu, sauf une. Alors les compagnons, comme à leur habitude, ont dit, ya Rasulullah, quelle est cette faction, ce groupe qui sera sauvé? Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui est sur ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi ou l'imam Ahmed ou Abu Dawud et qui a été authentifié par Jam'un min al-ulama, par un grand de savants muhaddithin et parmi les contemporains Cheikh al-Albani. Donc le prophète a désigné le groupe sauvé comme étant ceux qui sont sur ce sur quoi était le prophète ainsi que ses compagnons. Tous ceux qui s'écartent de cette voie sont sous la menace du feu, car le prophète a désigné qu'un seul groupe sauvé. C'est clair. Le groupe sauvé, comme on s'efforce à le dire depuis le début de ces cours, c'est ceux qui sont sur la voie du prophète et celle des compagnons. Tous ceux qui prétendent suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont sur une voie discordante de celle des compagnons, ils rentrent dans une des 71 sectes qui sont destinées ou qui sont sous la menace du feu de l'enfer. C'est ça que ça veut dire. 72. Sur les 73, il y en a 72 qui sont sous la menace et une qui est sauvée. Donc ce hadith-là, il doit nous mettre en alerte. D'accord ? Et toujours regarder et faire ce travail d'introspection personnelle en disant, est-ce que ce que je fais, c'est conforme à la sunna du prophète ? Est-ce que j'ai bien compris ce qui est voulu par le verset coranique ou le hadith du prophète, ou alors je l'ai compris d'une mauvaise compréhension. On doit toujours faire ce travail-là afin de ne pas s'égarer. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les preuves qui nous montrent l'obligation de suivre la voie du prophète, bien sûr, et la voie des compagnons, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari, d'après une version de l'imam Ahmed et aussi rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih, قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي بما يوعدون. Abu Moussa al-Ash'ari, sahabi, a dit, nous avions prié la prière du Maghreb avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes dit, donc lui et les compagnons, assions-nous, restons sur place jusqu'à ce qu'on prie
La prière de l'Isha avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils se sont assis, ils sont restés à la mosquée, jusqu'à ce que le prophète est sorti, après un moment, est sorti, et il est venu vers eux, et il leur a dit, vous êtes encore ici? Alors, Abu Moussa a dit, ô envoyé d'Allah, nous avons prié avec toi, salat al-Maghrib, puis nous nous sommes dit que nous resterions bien avec toi pour prier l'Isha. Alors le prophète, il a dit, vous avez bien fait. Alors le prophète a levé sa tête au ciel, et souvent il faisait ceci. Souvent le prophète levait sa tête au ciel. Puis il a dit, les étoiles sont une garantie pour le ciel. Lorsque les étoiles partiront, le ciel sera sous la menace de ce qui lui a été promis. Alors que moi je suis le garant pour mes compagnons, et lorsque je mourrai et je partirai, il arrivera à mes compagnons, ou ce dont ils ont été menacés. Puis mes compagnons sont les garants de ma communauté. Et lorsqu'ils partiront et qu'ils mourront les uns après les autres, alors ma communauté subira ce dont elle fut menacée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa tête au ciel, puis il a dit, les étoiles, an-nujum amanatun lis-sama. Effectivement, ceci est corroboré par plusieurs versets coraniques. Allah dit subhanahu wa ta'ala, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ انْكَدَرَتْ اَتَسَاقَتَتْ وَانْدَثَرَتْ. Lorsque le soleil va s'obscurcir et que les étoiles vont tomber et perdre de leur beauté. Naam. Lorsque les étoiles vont s'obscurcir et elles vont tomber, elles ne donneront plus de lumière. Et dans un autre verset, وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ انْتَثَرَتْ اَيْ Azalat Jamaluha. Elles ne brilleront plus dans le ciel. Ceci sera un signe que le ciel sera sous la menace de son extinction. Tant que les étoiles sont là, tant qu'on voit les étoiles, alors le ciel reste en place. C'est en ceci que le prophète a dit, les étoiles sont une garantie pour le ciel. Sont une garantie que le ciel reste toujours en place. Dès que les étoiles vont tomber, ce sera un signe que le ciel sera sous la menace de ce qui lui attend, ou subira ce dont il fut menacé. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et moi je suis garant de mes compagnons. C'est-à-dire, tant que je serai présent, mes compagnons seront à l'abri des troubles, des guerres, des dissensions, des discordes. Et effectivement, quand le prophète était vivant, les compagnons ont été préservés de tous ces maux. M-A-U-X. D'accord ? Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et mes compagnons sont les garants pour ma communauté. Tant que les compagnons étaient vivants, les innovations religieuses, les discordes, les factions, les dissensions dans la communauté n'avaient pas lieu. Mais dès lors qu'ils sont partis les uns après les autres, jusqu'à ce que le dernier fût mort, alors c'est à ce moment-là que les innovations religieuses, qui existaient déjà à l'époque, à la fin de l'époque des compagnons, dans les dangers, elles existaient, mais elles étaient cachées et confinées. Pourquoi ? Car dès lors qu'il y avait les compagnons, les gens, lorsqu'ils voyaient des innovations religieuses, ils avaient ce réflexe d'aller voir les compagnons pour demander, est-ce que cette chose-là, elle est légiférée ? Est-ce qu'on peut la faire ? Comme ce fut le cas de Yahya ibn Ya'mar, lorsqu'ils ont vu des personnes, Al-Basra, parler sur le Qadar, et dire des choses qui n'existait pas autour du prophète. Ils ont dit, ben, puisque nous, on va faire le Umrah, ou le Hajj, nous en profiterons pour rencontrer un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens, ils avaient ce réflexe d'aller voir les compagnons du prophète, car c'est eux qui étaient les détenteurs de la science. Tant que les compagnons étaient là, il y avait toujours ce réflexe-là, et ceci était un gage de sécurité, était un gage que la communauté était encore sous l'ombre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès que les compagnons sont morts les uns après les autres, alors ces innovations religieuses, qui n'étaient pas fréquentes, qui n'étaient pas nombreuses et qui étaient confinées, dès que les compagnons sont morts, alors elles sont apparues au grand jour. Et il n'y avait plus de référent chez les gens vers qui retourner. Jusqu'à ce que même elles furent institutionnalisées. C'était des religions, c'est devenu des religions d'État. Comme le madhhab et l'artisan. Le prophète a dit, dès que
Dès lors que mes compagnons sont vivants, ils sont un gage de sécurité et un gage pour la communauté entière. Et dès lors qu'ils mourront, alors ma communauté subira ce dont elle fut menacée. C'est-à-dire, el-irtilaf. El-khilaf, wal-mukhalafa, wal-irtilaf. La dissension, les troubles, les guerres, etc., etc. Alors, ici, ce hadith est très important. Pourquoi ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en relation directe la communauté et les compagnons, comme il a mis en relation directe sa personne avec les compagnons, au même titre que les étoiles avec le ciel. Ceci nous montre l'obligation de se guider par les compagnons, par équivalence à la guider des compagnons par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on se guide par les compagnons, comme les compagnons se sont guidés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même que les gens se guident sur terre par les étoiles dans le ciel. S'il n'y avait plus d'étoiles dans le ciel, comment les gens ils peuvent se guider ? Sur la base de ceci, les compagnons sont pour nous le chemin par lequel on suit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, la présence des compagnons est un gage de sécurité contre le mal et ses causes. Si l'éventualité, et ça c'est ce que dit Cheikh Arslan, si l'éventualité que des sahabas aient pu se tromper sur une des choses de la religion et que d'autres après eux furent sur la vérité, ces derniers seraient alors la garantie pour eux, ce qui est impossible. C'est impossible, mes frères, que des générations après les compagnons aient pu trouver la vérité alors que les compagnons aient passé à côté. Ceci est impossible. D'après la parole du prophète, mes compagnons sont un gage de sécurité pour moi, sont un gage de guider plutôt pour ma communauté, pour ceux qui vont suivre. Donc le contraire, il n'est pas possible. D'accord ? La communauté ne peut pas être un gage de guider et de sécurité pour les compagnons du prophète. D'accord ? Donc, ceci pour réfuter sur ceux qui disent qu'on peut comprendre la religion en se passant de la compréhension des compagnons du prophète. Ceci est impossible. D'accord. Toutes les preuves et autres que je vous ai citées ici, j'ai dû vous en citer à peu près 7 ou 8, je ne sais pas. Toutes les preuves et autres nous prouvent l'obligation de suivre la voie prophétique dans la science et les actes, dans la croyance et les actes d'adoration, les relations, le mu'amalat, les transactions, etc., le comportement et les mœurs. Car il n'y a pas de sauvetage si ce n'est que par cette voie-là. Sallallahu tabaraka wa ta'ala. أن يهدينا إلى الحق وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله إنه الولي بذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وقل رب زدني علماً